أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, ce soir, pour notre discussion, on va accueillir Khanoum Ashrin Haydarali, et c'est elle qui va nous accompagner tout au long de cette discussion et qui va représenter l'auditoire et le public. Donc j'espère que tu vas bien. Oui, ça va et vous? Bien, merci, alhamdoulilah, alaykoum salam. On m'entend bien ou il y a besoin de réglage? Non, non, on t'entend bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc merci tout d'abord de m'accueillir. Je me permets rapidement de faire un rappel des 3 derniers jours. Donc, on avait parlé de l'authenticité du Nahdul Balagha, donc en d'autres termes de la compilation, de la transmission des paroles de Imam Ali à Sharif al-Radi. Et hier, plus précisément, on avait parlé de la transmission par manuscrit à travers les siècles. Donc, on avait vu 2 méthodes en particulier qui se suivent. La première, c'était la règle des ijazat, en d'autres termes, une attestation, une autorisation des transmissions, qui se faisait donc, qui a commencé par Sharif al-Radi à ses élèves, puis des élèves à leurs élèves, et ainsi de suite. Et deuxièmement, donc, on a vu que les manuscrits ils y étaient depuis le 5e siècle, ce qui nous donnait des éléments assez forts. Pour nous apporter une certaine confiance quant au texte du Nahdul Balagha. Et voilà, donc pour continuer sur le thème de la fin qui est depuis 2-3 jours, hier en fin de session, vous nous aviez donné un avant-goût du sujet d'aujourd'hui et vous aviez dit que ça serait donc le contexte historique et géopolitique de l'époque du Imam Ali allant de sa naissance à son martyre. Et tout ça pour mieux comprendre ses propos dans le Nahdul Balagha. Et donc, ma question pour vous, c'est en quoi il consiste ce sujet et surtout, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'aborder? Ahsantoum, effectivement. Donc, on souhaite parler du contexte historique et géopolitique des débuts de l'islam, juste un peu avant la naissance de l'imam Ali alayhi salam, jusqu'à son martyr en 40 de l'Hégire. Et pourquoi, donc bonne question, pourquoi aborder cela dans l'étude du Nahjul Balagha? On n'est pas en train d'étudier l'histoire de l'islam, on est en train d'étudier le Nahjul Balagha. Et là, tout d'un coup, on souhaite étudier l'histoire de l'islam. Alors, pour répondre à ce pourquoi, c'est que ici, je vous ai mis des exemples du sommaire de la table des matières du Nahjul Balagha. Et si rapidement on fait le tour, d'ailleurs vous avez lu maintenant une bonne partie du Nahjul Balagha, près de 20% du Nahjul Balagha on a déjà couvert, et on remarque qu'il n'y a pas d'ordre et de chronologie dans l'exposé de ces sermons. D'accord? Donc là on prend le sermon numéro 1 et on y lit, il y rappelle la création de la terre et du ciel et la naissance d'Adam. Et hop, sermon numéro 2, après son retour de Siffin. Aucun lien historique. Et on enchaîne, sermon numéro 3, à Shepshepia, où il parle des califes et de l'allégeance qui lui a été faite, c'est-à-dire 35 de l'Hégire. Le khutbah a été prononcé bien plus tard, hein, dans les dernières années, 2 dernières années, il me semble, de la vie de l'imam. Ensuite, il s'agit d'un de ses propos les plus importants. Il y prêche et guide les gens hors des ténèbres. On ne sait pas trop quand et où. Sermon 5, suite au décès du messager d'Allah. Donc, on revient combien d'années avant. Et pareil, lorsqu'on enchaîne avec les discours 119-120, il y rassembla les gens et les exhorta au djihad. Après la nuit d'Al-Hadir, Al-Hadir, c'était la nuit où il y a eu une bataille féroce lors des batailles de Siffin. Ensuite, au Kharijit, donc on va quelques années plus loin, et on revient à ses compagnons sur le champ de bataille à Siffin. Et 125, lors de l'arbitrage. Mais c'est quoi cet arbitrage? Et c'était quand? Et hop, 128, au sujet d'événements à Basra. Donc on revient encore quelques années avant, quelques années plus tard. C'est compliqué à se situer si on n'a pas un bon arrière-plan
de l'histoire de l'islam dans l'esprit. Si on fait un tour du côté des lettres et des écrits de l'imam Ali alayhi salam, c'est exactement le même souci. 47, à l'attention d'Al-Hassan et d'Al-Hussein alayhi salam, après avoir été frappé par Ibn Muljam et non Ibn Muljim, comme on a l'habitude de prononcer. Donc on est en toute fin de sa vie. Et hop, à l'attention de Muawiya. Et on revient combien d'années avant? Ensuite, à l'attention des officiers de l'armée, lettre 53, très connue, rédigée à l'attention d'Al-Ashtar al-Nakhai, donc Malik al-Ashtar, lorsqu'il le désigna gouverneur d'Égypte et ses alentours. Et donc là, on revient en 38 de l'Égypte. Je vais m'attarder légèrement sur cette lettre-là, puisque cette lettre est très, très connue. Elle est même enregistrée à l'UNESCO en tant que patrimoine de l'humanité. Mais beaucoup de chiites ne savent pas, excusez-moi, que lorsque l'imam alayhi salam a donné l'ordre de mission à Malik al-Ashtar avec ses recommandations, Malik al-Ashtar n'est jamais parvenu en Égypte et il a été assassiné, empoisonné, juste avant de rentrer en Égypte au canal de Suez. Ça veut dire que ces recommandations, elles sont théoriques, elles n'ont jamais pu être appliquées, elles sont restées comme ça, finalement, avec Malik, et sûrement une copie avec l'imam Ali alayhi salam, puisque c'est lui qui a donné l'ordre de mission. Ensuite, à l'attention de Talha et Zobair, donc on retourne quelques années avant, et on repart vers Muawiya pour parler de Shuraih ibn Hani, qui lui est à Koufa. Donc, entre Damas, Basra, Koufa, l'Égypte, Médine, Siffin, et de l'autre côté, des dates à n'en pas compter, on est un petit peu perdu. C'est comme un petit peu, cette image, je l'ai trouvée assez parlante, cette personne qui est perdue vraiment dans un océan de données et il ne s'y retrouve pas. Il n'y a pas de géolocalisation pour cette personne. Et donc, à nous d'essayer de poser quelques jalons, quelques balises, pour essayer de donner des éléments chronologiques et des repères géographiques pour que la personne qui lit le Nahjul Balagha puisse se retrouver dans la chronologie. Et c'est là que je vais partager quelques éléments dans mon explication, et cela durant quelques sessions, des éléments au niveau de l'histoire, donc on fera quelques récits historiques, des éléments au niveau de la géographie et des forces politiques sur le terrain, et quelques éléments au niveau des personnages. D'accord ? En général, ce sont ces éléments, ces détails qui permettent de mieux contextualiser, mieux comprendre ce qui se passe dans le texte du Nahjul Balagha. Enfin, pour finir avec cette question, les éléments que nous allons vous partager sont en grande partie présents dans le Nahjul Balagha édition Bouki dans les annexes. Donc ici, j'aimerais faire un gros plan concernant ces annexes et les trois premières annexes sont très, très importantes. Et on va passer un petit peu plus en détail. Il y a 10 pages avec plus de 160 événements historiques depuis le début de l'islam jusqu'au martyr de l'imam Ali alayhi salam. Et ce tableau chronologique, je vous invite à le lire, donc ceux qui auront le livre bientôt, Inch'Allah, et ceux qui l'ont déjà, qu'ils lisent ce tableau de temps en temps, pour se remémorer ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam. Donc là, on est vraiment dans des détails très intéressants. Comme je vous ai dit, il y a plus de 160, 162, 161, 162 événements historiques qui ont été classés année par année et par moment aussi, on a précisé les mois avec des détails qui forcément ne sont pas dans notre esprit. Là où je vous dis, en l'an 20 de l'Égypte, par exemple, conquête de l'Égypte après une longue guerre de 7 mois, l'Alexandrie est assiégée durant 3 mois avant d'être prise par qui ? Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, que l'on rencontrera de temps en temps dans Nahjul Balagha,
Et c'est très important de savoir que la conquête de l'Égypte et de l'Alexandrie s'est opérée par son commandement, et ensuite il va bâtir Fustat, qui est une ville historique. Vous voyez qu'il y a des détails très intéressants, et ce, durant près de 11 pages. Ensuite, au niveau de la seconde annexe, il y a le tableau chronologique des sermons et des lettres, et au lecteur de jeter un coup d'œil rapide lorsqu'il lit ses sermons. Par exemple, sermon 12, après la victoire de la bataille du chameau en 36 de l'Égir, Jumada al-Akhira. Donc, la personne, des fois, si elle lit le texte sans ce contexte, sans savoir comment on est arrivé à la bataille du chameau et quand ça s'est réalisé, ben, on est totalement perdu. Et donc, on a besoin de ce type d'éléments. Et là encore, il y a beaucoup de pages, plus d'une dizaine de pages de détails sur ces événements, on va dire sur cette localisation historique des lettres et des sermons. Enfin, troisième annexe, il y a sept cartes géographiques et géopolitiques de l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Donc ici, vous avez le monde islamique à l'époque de l'imam Ali alayhi salam et les territoires. Et donc, vous voyez que l'enjeu est quand même très important. La deuxième carte représente ici le chemin pris par les deux armées pour aboutir à la bataille du chameau. L'armée de Aïcha, Talha et Zubair, et de l'autre côté, l'armée de l'imam Ali, alayhi salam. Et vous allez voir chaque station, et il y a des noms qui sont importants, puisque le nom Dhiqar revient deux ou trois fois dans le Nahj al-Balagha, et lorsqu'on dit que l'imam, alayhi salam, a prononcé le khutbah à Dhiqar. Ben, Dhiqar, vous allez le retrouver dans la carte à ce niveau-là. Si on fait un zoom, vous voyez qu'avant d'atteindre Basra, entre Koufa et Basra, il y a Dhiqar, et c'est à cet endroit que l'imam alayhi salam va prononcer le sermon. Et donc, le fait même de savoir à quel endroit il est, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'il souhaite dire à son auditoire, etc., etc. Et ensuite, donc, il y a sept, comme je vous ai dit, il y a sept cartes. Par exemple, cette carte, elle est très intéressante puisqu'elle montre les différentes batailles et les bataillons par les hommes de Muawiya sur tout le territoire du Hijaz et de l'Irak pendant le gouvernement de l'imam alayhi salam. Et vous voyez que beaucoup de régions étaient à feu et à sang par les hommes de Moawiya, alors même que l'imam Ali, alayhi salam, essaye de gouverner ce territoire. Et lorsqu'on voit cette carte et on se rend compte de ces différentes batailles qui ne sont pas connues dans notre imaginaire, dans nos connaissances, c'est là qu'on se rend compte la difficulté de la tâche de gouvernance de l'imam Ali, alayhi salam. On en reviendra bien entendu sur les détails au fur et à mesure. Et enfin, ces cartes se terminent par des correspondances qui sont intéressantes par rapport à certaines villes qui ont disparu. Ça n'existe plus de notre époque. Et de l'autre côté, nous avons encore des villes qui existent. Et vous allez retrouver la correspondance pour ces villes dans ce tableau. Vous allez peut-être trouver un peu lourd comme détail, un peu long comme détail sur ces cartes, mais même lorsque vous allez lire l'histoire de l'islam, vous allez pouvoir vous en servir de ces cartes. Et sachez qu'on a mis à peu près 300, rien que pour les cartes, on a mis 200 heures de travail, et pour ces annexes, les trois annexes, c'est à peu près 400 à 500 heures de travail. Et cela, après avoir lu le Nahjul Balagha et constaté qu'on a besoin de ces détails pour mieux comprendre le Nahjul Balagha. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous faire part sur les points soulevés par Ashrine. Bon, du coup, c'était assez clair. Et donc, est-ce qu'on va étudier l'histoire de l'islam en détail? En détail. Alors, je ne pense pas que l'auditoire souhaiterait que l'on s'épanche en détail sur l'histoire de Je pense l'islam, pas. parce que
À mon avis, ça nous prendrait une bonne trentaine de cours. J'espère vraiment avoir l'occasion une fois d'enseigner l'histoire de l'islam, d'échanger, d'avoir des discussions sur l'histoire de l'islam depuis avant la naissance du prophète jusqu'à, je dirais, l'occultation de l'imam al-Mahdi, salamullahi alayhi wa ta'ala farajahu sharif. Mais bon, je pense que ça ferait très très long. Et là, durant ces quelques cours, nous allons faire un rappel sur certains événements, certaines dates de l'histoire de l'islam. Donc, on en a au moins pour 3 cours. Ça va, dépendra de la vitesse par laquelle on va avancer. Peut-être qu'on arrivera à 4, voire maximum 5 sessions. Mais je pense qu'aller 3 à 4, ça pourrait suffire. On commence donc l'histoire de l'islam par la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en moins 53 de l'Hégire ou en 570. Alors, un point important, dans l'histoire de l'islam, le repère reste le calendrier hégirien. Et c'est vrai que nous, en Occident, on est beaucoup plus habitués à réfléchir dans le calendrier grégorien, ok, occidental, c'est normal puisque voilà, nous vivons dans cet environnement-là. Mais le souci, c'est que si on étudie l'histoire de l'islam, je vous propose de commuter votre cerveau en mode égirien et de vous localiser par rapport à l'Égypte parce que ça va être beaucoup plus facile pour ramener tous ces événements islamiques. Le martyr de l'imam Ali alayhi salam, donc en 40 de l'Égypte, tout le monde le connaît. Et dans cette diapositive, je vais vous exposer 10 principales dates et ensuite on avancera et on fera des loupes sur des périodes particulières. Donc, on a la naissance de l'imam Ali alayhi salam dans la Kaaba en moins 23, le début de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en moins 13 de l'Hégire. L'Hégire, le zéro, puisque c'est l'émigration du prophète de Mecca, de la Mecque vers Médine. Donc, ça marque le début du calendrier. Ensuite, nous avons le décès du prophète en l'an 11, le début du califat d'Abou Bakr, toujours en l'an 11, et le martyr, le décès de Fatimatu Zahra, salamullahi alayha, toujours à la même année. Ensuite, 2 ans plus tard, nous avons le début du califat de Omar ibn al-Khattab et 11 ans plus tard, en 24 de l'Hégire, le début du califat de Othman ibn Affan. Et enfin, la prise du califat par l'imam Ali alayhi salam ou la désignation en tant que calife des musulmans par ces derniers en l'an 35 de l'Hégire, en fin de l'an 35 de l'Hégire. Et donc là, nous avons ces principales dates qui nous permettront de nous situer dans l'étude brève de l'histoire de l'islam et des débuts de l'histoire de l'islam. Alors, pour ceux qui souhaitent rentrer en détail, je vais vous faire part d'une courte bibliographie ici. Je conseille à ceux qui veulent débuter la lecture, la prise de connaissance sur l'histoire de l'islam, il y a ce fameux livre traduit de l'anglais par Marhoum Ahmed El-Bostani, Histoire des premiers temps de l'islam. Ensuite, ceux qui souhaitent rentrer dans des détails, nous avons 2000 pages de livres en 2 tomes proposés par le couple Ben Abderrahman. Et le livre s'appelle Mohammed. Il a été publié par les éditions Dar al-Mahajja al-Bayda. Donc, c'est 2 tomes bien fournis, 2000 pages, comme je vous ai dit, il y a énormément de détails et c'est donc ces 2 livres nous viennent de la part de chiites. Donc, l'approche idéologique qu'on aura durant cet exposé, on peut le retrouver aussi dans ces livres. De l'autre côté, nous avons un livre intéressant qui est de Martin Links et qui est un métaphysicien anglais qui a vécu plutôt dans le 20e siècle et qui s'est converti à l'islam. Et il a écrit ce livre, Le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Il a une approche soufie dans la rédaction, et ce livre a été primé par les musulmans.
dans le gouvernement de l'époque, le gouvernement pakistanais de l'époque, il me semble. Et donc, ceux qui souhaitent avoir un regard non chiite, à mon avis, ils peuvent se référer à ce livre qui reste tout bien intéressant. Venons-en à quelques données géopolitiques. Donc, avant la naissance du prophète, le Moyen-Orient se partage sous les pouvoirs et les dynasties perses et byzantines d'un côté, et de l'autre côté, nous avons une dynastie ou plutôt un pouvoir au Habasha en Abyssinie ou l'Éthiopie actuelle. Donc, le Hijaz, la péninsule arabique où se trouvent la Mecque et Médine, sont, on va dire, en proie à un pouvoir tribal. D'accord? Les tribus se partagent des régions, se partagent une influence. Et à la Mecque, nous avons la grande tribu des Quraysh qui, eux, ont le pouvoir et l'influence et la direction des affaires de la Mecque, alors qu'au Yémen, nous avons plusieurs tribus qui se partagent le territoire. Je ne souhaite pas rentrer dans plus de détails, mais juste vous faire part ici d'un détail qui nous a été fait part par l'imam Ali alayhi salam dans le sermon 26 sur la situation des Arabes au Hijaz. Je vais te demander de lire ce petit extrait du sermon 26. Alors, les Arabes avant la prophétie. Vous, peuple d'Arabie, vous suiviez la pire religion et vous habitiez au milieu de pierres dures et de serpents vénéneux. Vous buviez de l'eau sale et de la nourriture immonde. Vous répandiez le sang les uns des autres et vous rompiez les liens de sang entre vous. Les idoles étaient établies chez vous et les péchés étaient attachés à vous. Sermon 26. Très bien, Arsène. Alors, ces éléments que je vous ai donnés sont très, très importants par rapport à ce qui va se passer après le décès du prophète. Surtout cette carte-là. Vous voyez comment nous avons deux grands empires qui se partagent les territoires du Moyen-Orient, alors que l'Arabie, elle n'est pas sous l'influence d'un empire ou d'une dynastie particulière. Et l'évolution que vous verrez après le décès du prophète, c'est ce qui va nous permettre de très bien comprendre le Nahj al-Balagha. Donc, à vous de porter attention à ces détails. On commence le récit des événements avec la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en moins 53 de l'Hégire. Et c'est là que je vais vous faire part d'un film qui est connu. Pour la suite, vous irez sur le site inour.fr et vous pourrez, on va dire que c'est une petite parenthèse, et vous pourrez télécharger le film en version complète. Et pour vous dire que ce site regroupe pas mal de ressources et vous retrouverez aussi les cours du Nahjul Balagha avec la partie des cours, le visuel que l'on partage chaque soir, mais aussi les quiz que l'on fait part dans le groupe de lecture. Donc, les données y sont de façon complète maintenant. On a rattrapé le retard et donc vous pourrez retrouver toutes ces données sur le site. On continue avec l'histoire de l'islam. Et donc, en moins 45, alors que le prophète est né, dès sa naissance, vous savez très bien qu'il est né orphelin de père. Okay? Il n'avait pas de père. Et ensuite, son grand-père l'a recueilli. Et son grand-père est décédé en l'an à 8 ans, en moins 45. Tous ces détails, vous pouvez le retrouver dans le film, donc je ne vais pas trop m'attarder. Et en moins 23 de l'Hégire, on a la naissance de l'auteur du Nahjul Balagha, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans la Kaaba. Cet événement est connu. On avance. Alors qu'il est tout petit, il est recueilli et élevé par son cousin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avance en moins 13 de l'Hégire. 13 ans avant l'Hégire, nous avons la toute première révélation. Le prophète a maintenant pour mission de propager le message de l'islam.
la révélation se fait par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et on connaît très bien que la date, c'est le 27 Rajab, selon ce que l'on célèbre chaque année pour le Laylatul Mab'ath. Il avait 40 ans, il était dans la grotte de Hira, et tous ces détails, en général, sont connus. Moins 13, on est toujours à la même année, les premiers à accepter la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont Khadija et Ali alayhi sallam. Je vous fais citation de ces événements, puisqu'on verra tout de suite que nous aurons besoin de les avoir dans l'esprit pour comprendre certains sermons, puisqu'on en citera. Le prophète présente l'imam Ali alayhi salam comme son successeur lors de l'appel à l'islam lancé à sa famille, et cela lors du repas organisé avec ses proches en moins 10 ans avant l'Hégire. Vous savez très bien que les gens ne répondent pas positivement à l'invitation du prophète. Nous avons des boycotts, nous avons des personnes qui se moquent du prophète. Ses proches ne l'aident pas et le début de la propagation de l'islam est très difficile. 8 ans avant l'Hégire, nous avons la naissance de Fatima, sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète. On avance toujours. La même année, par rapport à la difficulté vécue par ce nouveau groupe de musulmans, ils sont très peu nombreux, par les pressions exercées sur les plus faibles, le prophète les propose d'émigrer vers l'Abyssinie. Et c'est là que nous avons la première émigration des musulmans vers Al-Habasha pour fuir l'oppression des Mécois. Et nous avons à la tête de ce groupe Ja'far al-Tayyar, connu comme Ja'far al-Tayyar, Ja'far al-Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib, donc c'est le frère de l'imam Ali alayhi salam. Ensuite, toujours sous la pression des Mécois, le prophète, ses proches, les Bani Hashim, sont obligés de se mettre dans les environs de la Mecque, dans le Shibr Abi Talib, qui est un quartier pas loin de la Kaaba, mais ils sont boycottés, ils sont ghettoisés dans cet endroit et ils n'ont plus le droit de faire des transactions, de commercer avec les Mécois et doivent maintenant vivre dans la difficulté extrême, voire dans la famine. Et c'est au bout de ces 3 années de peine que le prophète va perdre son épouse Khadija et son oncle Abu Talib, le père de l'imam Ali alayhi salam, qui sont enterrés à la Mecque. Ensuite, petit à petit, la brèche de la réussite s'ouvrira et c'est là que des habitants de Médine vont se pointer à la Mecque pour les transactions durant le Hajj, pour les affaires, pour le commerce. Et ces quelques habitants de Médine vont rencontrer le prophète et ce dernier leur fera part du message coranique, du message de l'islam et vont être séduits puisqu'ils vont tout de suite comprendre que ce que leur disaient les juifs de Médine sur l'arrivée du prophète, ils le retrouvent dans les paroles du prophète, dans les paroles coraniques divines. Et vont s'en suivre 2 pactes avec le prophète, le premier pacte d'Al-Aqaba et le second pacte d'Al-Aqaba. Ces 2 pactes ont lieu à la Mecque. Et suite à ces 2 pactes, le prophète va émigrer vers Médine pour aller s'installer et tourner une nouvelle page. Et là s'ouvrira un chapitre nouveau et extraordinaire pour l'histoire de l'islam. Et juste avant l'Hégire, on se souvient très bien de la nuit du Mabit, où l'imam Ali alayhi salam, pour protéger le prophète qui doit s'enfuir, qui doit émigrer de la Mecque vers Médine, il dort à sa place pour, on va dire, dissimuler la présence, ou plutôt l'absence du prophète, faire croire aux ennemis mécois qu'il y a le prophète dans la maison, mais c'est l'imam Ali alayhi salam qui dort dans le lit du prophète, malgré le fait que sa vie soit menacée. Et enfin, on termine cette partie
des récits des événements des débuts de l'islam par l'émigration du prophète de la Mecque à Médine. Donc, vous avez très bien compris que je ne souhaite pas rentrer dans le récit détaillé des événements, mais de vous faire le rappel et l'évocation de certaines dates clés qui nous permettront de comprendre ce qui va se passer au fur et à mesure et surtout certains discours du Nahj al-Balagha. J'ai trouvé cette peinture très, très belle, vraiment extraordinaire, qui représente cette scène où l'imam Ali alayhi salam dort à la place du prophète la nuit du Mabit. Observez les détails, ils sont extraordinaires, mashallah. Qu'Allah accorde la miséricorde à l'auteur de cette peinture. On va lire quelques extraits du Khutbatul Qasi'a, le sermon 192, où l'imam Ali alayhi salam fait référence à ce que l'on vient de dire. Donc, je te laisse lire, Ashrin, pour l'auditoire. En vérité, vous connaissez ma position de proche parenté et de relation spéciale avec le messager d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille. Alors que je n'étais qu'un enfant, il m'a prise en charge. Il me pressait contre sa poitrine et me posait à côté de lui dans son lit, se mettait près de moi et je pouvais ainsi sentir son parfum. Il mâchait quelque chose et me nourrissait avec. Il n'a jamais vu de mensonge dans mes paroles, ni de faiblesse dans mes actes. Okay, vous vous souvenez, on a dit que lorsque l'imam Ali alayhi salam était tout petit, c'était le prophète qui l'a recueilli. Et à partir de là, ils avaient une relation tellement proche que l'imam Ali alayhi salam se permet de dire que je pouvais ainsi sentir son parfum, il mâchait quelque chose et me nourrissait avec. Et à partir de là, on verra dans les différents extraits et passages que l'imam Ali alayhi salam était extrêmement proche du prophète de l'islam, et c'est ce que je souhaite ici mettre en relief. Depuis son sèvrage, Allah le Très-Haut avait placé auprès de lui un de ses anges puissants pour lui faire prendre le chemin du caractère noble et du bon comportement le jour et la nuit. Et je le suivais comme un jeune chameau suit les pas de sa mère. Chaque jour, il me dressait un étendard de ses nobles traits et m'ordonnait de le suivre. Chaque année, il se retirait à Hira, où je suis le seul à l'avoir vu. Ces jours-là, l'islam n'existait dans aucune demeure, à part dans celle du messager d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, et de Khadija, alors que j'étais le troisième après ces deux-là. Je voyais et observais l'éclat de la révélation et du message divin, et je respirais la senteur de la prophétie. Arsène, il se retirait à Hira, où je suis le seul à l'avoir vu. Vous voyez ? Ça montre cette relation extrêmement proche. Lorsque la révélation est descendue sur lui, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, j'ai entendu Satan gémir. J'ai dit « Ô messager d'Allah, quel est ce gémissement ?» Il a alors répondu « C'est Satan qui vient de perdre tout espoir d'être adoré. Ô Ali, tu vois tout ce que je vois et tu entends tout ce que j'entends. Mais tu n'es pas un prophète. Cependant, tu es mon second et tu es dans le bien. J'étais avec lui, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, quand un groupe de Quraysh est venu à lui et lui a dit « Ô Muhammad, tu as prétendu quelque chose d'important qu'aucun de nos aïeux ou de ceux de ta famille n'a fait. Nous te demandons une chose. Si tu nous donnes une réponse et nous la montres, nous croirons que tu es un prophète et un messager. Mais si tu ne peux le faire, nous saurons que tu es un sorcier et un menteur. » Merci. Alors, dans ces passages, on voit des détails. Au-delà du fait que la relation était extrêmement proche entre le prophète et l'imam Ali alayhi salam, quand on lit ce passage, « Ô Ali, tu vois tout ce que je vois et tu entends tout ce que j'entends, mais tu n'es pas un prophète. » Au niveau dogmatique, on pourrait déduire de cette phrase le statut exceptionnel en termes de relation divine de l'imam Ali alayhi salam. On voit que ici, quelque part, l'imam Ali alayhi salam est l'égal du prophète en termes de statut spirituel. Sauf que le prophète a un plus.
il a un statut spécial, c'est qu'il est prophète et que l'imam, alayhi salam, n'est pas prophète. Et là aussi, ça répond à un point dogmatique très, très important, puisque on sait très bien que dans le chiisme, il y a eu certains courants de pensée qui veulent dire ou qui ont voulu dire que l'imam Ali alayhi salam a un statut supérieur que le prophète, ou que c'était l'imam Ali alayhi salam qui aurait dû devenir prophète. Et là, il y a quelque part une réponse de l'imam Ali alayhi salam à toutes ces pensées, je dirais. Cependant, tu es mon second et tu es dans le bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous faire part pour que l'on puisse comprendre certains détails, surtout se rappeler certaines dates. On n'est qu'au début, petit à petit, on va rentrer dans plus d'événements politiques et géopolitiques, surtout après l'émigration du prophète vers Médine et surtout après son décès et la prise du califat par Abu Bakr ibn Abi al-Quhafa. Inch'Allah, demain, on poursuit cette étude. Pour le moment, on a couvert la partie jusqu'à l'Égir et ensuite on avancera vers le décès du prophète et ensuite les débuts du califat de Omar, peut-être jusqu'à s'arrêter au début du califat de l'imam Ali alayhi salam, ou même prendre quelques événements du début de son califat. Donc voilà, j'espère que ce n'était pas trop détaillé pour toi, Ashrine, et pour le public. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.